Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end et en ce premier jour officiel des vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Alors pour ce nouvel unboxing, mais quoi qu'est-ce ? Donc nous allons partir ensemble à la découverte d'un colis que j'ai reçu tout récemment. Alors oui, un seul colis, mais la taille du colis ou le colis en lui-même ne fait pas forcément l'importance du jouet en question. Et là, pour le coup, c'est du lourd puisqu'il s'agit tout simplement, ni plus ni moins, d'un jouet que je rêvais d'avoir étant môme. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, colis donc que je dois, alors que je dois, il s'agit d'un échange, voilà, pour être un peu plus précis, donc un échange que je dois à mon ami Sylvain. Coucou mon poteau, oui, Sylvain, comme moi, voilà, de Sylvain. Les deux font la paire. Un ami fidèle, précieux, discret, que dire, pas intrusif, toujours présent quand il faut. Enfin bref, une chouette personne et un chouette aussi époux et papa. Donc voilà, que je remercie infiniment pour cette opportunité, pour me permettre d'acquérir cette pièce qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Un échange, voilà, pas d'argent demandé, juste un échange. Et quel échange! Alors je remercie aussi par la même occasion sa petite puce Lysis, hein, qui a aidé donc son papa à préparer et collectionner ce petit colis. Lysis, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous et merci à toi! Voilà, je crois que nous avons fait le tour, donc sans perdre de temps, passons tout de suite aux choses sérieuses et à la découverte de ce colis. Mais quoi qu'est-ce ? Réponse tout de suite ! Oh, mais quoi qu'est-ce ? Oh, j'ai trop hâte de savoir qui c'est ! Oh, bah, moi aussi ! Oh, oh, un indice, quelque chose ! Bah non, vous allez le voir tout de suite, les mecs, faut pas déconner non plus. Bon, ok, bon, bah on s'assoit et on regarde. Oh, j'espère que c'est du beau. Bon, bah allez, à tout à l'heure, les mecs, tchuss ! Et voici donc, avant ouverture, un petit aperçu de ce paquet. Voilà, paquet qui est plutôt plutôt gros, grand et encombrant, tout comme le contenu. Alors malheureusement, hein, comme toujours, ouais, je vais pas non plus jeter la pierre à la poste, mais voilà, le paquet a été un petit peu abîmé lors du transport. C'est un petit peu dommage, surtout quand on en vient à payer des frais de port exorbitants pour un service qui n'est pas toujours forcément rendu, mais bon, malheureusement, voilà, c'est la loi avec la plupart des transporteurs, hein, la Poste n'est bien entendu pas le seul responsable, mais bon, voilà, on va voir ensemble tout de suite, donc, le contenu du petit colis, comme toujours, je me munis de mon petit laïole, et voilà, partons ensemble à l'ouverture de ce paquet. Le voici, le voilà, à présent, donc, sur mon studio vidéo, mon Dieu, que c'est gros. Alors, on va tout de suite... Voilà, découper ça. J'ai hâte. Alors, je l'ai reçu il y a quelques jours, hein, mais voilà, j'avais prévu de faire un petit unboxing justement pour l'occasion. Alors, je pense que ça pourra plaire à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde, mais bon, ça me plaît à moi et c'est quand même bien le principal. Et donc, je voulais quand même partager ce petit plaisir avec vous. Alors, la petite lampe, voilà, on se lève. Alors, bah tout d'abord, hein, et ça je ne suis pas étonné, vu de mon ami Sylvain, l'emballage est parfaitement protégé et soigné, rien à dire. Donc voilà, malgré le paquet un peu abîmé, le contenu est parfaitement intact. Une petite enveloppe, alors je vais regarder, il y a peut-être un petit mot, et puis donc... Alors, je relève un petit peu la camérouche et je sors le contenu. Voilà, un vieux jouet du tout début des années 80, en boîte, complet, parfait état, avec tout tralala, la notice, etc., etc. Alors, j'essaye de sortir tout ça. Ouais, ça fait son poids. Hein. Ah, faut dire que les jouets de l'époque étaient sacrément lourds. Alors, j'en profite, vite fait. Pour jeter un coup d'œil à la petite enveloppe, voir si jamais il y a un petit momo. Et oui, il y a un petit mot. Alors, qu'est-ce que me dit mon ami Sylvain ? Salut mon Sylvain, c'est avec un très grand plaisir que je te fais parvenir ce très beau... Je cache. J'espère que cela te fera plaisir. Prends-en soin mon ami et garde ton âme d'enfance. Alors ça,
pour en prendre soin, tu te doutes bien que je vais en prendre soin. Quant à conserver mon âme d'enfance, maintenant à presque 46 ans, je crois que décidément je ne grandirai jamais complètement assez. Voilà, bisous à Mini-toi et Mini-Mini-toi, ton ami Sylvain. Merci mon poteau pour ce petit mot, c'est super mignon, c'est super sympa. Voilà, un petit mot qui fait bien plaisir et que je vais mettre, voilà, dans ma collection de petits mots de copains. Alors nous avons ici, voilà, un gros morceau de papier bulle. Voilà, bien scotché, mais pas trop prise de tête à enlever. Contrairement à certains copains, dont je ne citerai pas le nom, qui se reconnaîtront de toute façon, qui aiment me faire des paquets avec des ouvertures absolument impossibles. Voilà la boîte sous forme de valise, et je vais la mettre dans le bon sens. Ah, quel magnifique packaging. Ah, c'est beau, c'est... Ah, alors j'espère qu'on va bien voir, je remonte un petit peu la caméra rouge, là aussi, je réajuste la luminosité, voilà, bon, il y a des dorures, il y a tout ce qu'il faut, donc il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de Lionbot, que vous voyez juste ici. Alors certains ne le reconnaîtront forcément, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du bootleg du fameux Voltron, voilà, un dessin animé japonais, du tout début des années 80, Voltron, donc, dont nous avons 5 lions qui sont pilotés, hein, 5 lions de type mecha pilotés par des humains et qui forment donc le géant Voltron. Donc il s'agit de la version bootleg taïwanaise, mais qui est une superbe pièce que je rêvais d'avoir. Alors je n'ai malheureusement pas le Poppy dans son intégralité, hein, le Poppy je n'ai que les deux pieds, donc le jaune et le bleu, mais là pour le coup, hop là je fais tout tomber. Pour le coup, voilà, j'ai le Voltron complet, sachant que j'attends encore des choses pour mon anniversaire qui approche à grands pas. Donc voilà, je n'avais quasiment pas de Voltron à part quelques mechas. Là, d'un coup, je vais me retrouver avec plusieurs Voltron différents. Donc voilà, c'est juste superbe, un bootleg, à savoir quand même de bonne qualité, hein, comme c'était souvent le cas à Taïwan, enfin pour les produits taïwanais, puisque on a juste, par rapport au Poppy, donc l'échelle qui est un peu plus petite, mais on retrouve néanmoins donc des plastiques de bonne qualité, et surtout du métal. Voilà, un petit aperçu donc de l'extérieur de la boîte. Et juste pour le fun, pour partager ça avec vous, en attendant bien évidemment de faire une revue le concernant, je vais tout de suite ouvrir, voilà, tel un bijou dans son écrin, notre petit Voltron. Alors, je prends la caméra rouge, je fais, hop là, désolé pour le tournis et pour les envies de vomi. Voilà un petit peu le contenu de la boîte, avec donc, voilà, l'enveloppe juste ici, en façade, voilà, en super bêta. L'ensemble est également en super bêta, à savoir que c'est un jouet qui a facile 40 ans. Et les chromes sont nickel, les parties en diecast sont absolument magnifiques. Ah, du diecast, hein, des pièces métalliques extrêmement robustes. Nous avons l'épée, le bouclier, les accessoires pour les modes lion. On se rend même compte juste ici, hop là, un petit peu de place, juste ici, que nous avons encore les missiles sur leur grappe. Et là également, voilà, les missiles toujours dans leur sachet non ouvert, avec la petite agrafe d'époque. Donc voilà, hein, le jouet, je pense, a été conservé dans sa boîte, et peut-être manipulé une fois ou deux, mais voilà, en tout cas, sans l'ajout des missiles, juste pour la conception et voir un petit peu l'ensemble. Voilà un petit peu cette perle, hein, que je vais, voilà, que je vais m'empresser tout à l'heure de regarder avec beaucoup de soin et d'attention. Ah, je suis super content. Alors pour ceux qui se rappellent d'un de mes derniers Mekwakukes, plutôt une revue que j'avais fait en duo avec mon mécène ami et sponsor Yanis, qui m'avait donc offert la version Soul of Shogoking ainsi que le Die Ruger 15. Là donc j'ai la version voilà, du début des années 80. Me manquera encore la version Poppy, éventuellement la version Matchbox, et un autre donc que j'attends pour mon anniversaire, voilà, cadeau apparemment de ma femme. Voilà un petit peu donc pour l'intérieur. Voilà, 5 jolis lions, donc le Yellow Lion, le Blue Lion, le Green Lion, le Red Lion, et ici donc le Black Lion, le numéro 1, celui qui forme le corps. De toute beauté, yeah!
Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cet unboxing Mais quoi Cookies du jour. Un seul colis, mais avouez franchement, quel colis. Voilà, le Lionbot aka Voltron. En métal, plastique, 5 robots qui s'assemblent, 5 lions, voilà, de toute beauté. Un jouet qui me faisait vraiment rêver étant gosse, mais là encore, de par le prix des jouets de l'époque, malheureusement celui-ci ne rentrait pas du tout dans le budget de mes parents pour les Noëls. Donc voilà, hein, comme quoi parfois il faut vraiment patienter, et que voilà, la patience aussi se mérite tôt ou tard. Donc voilà, presque 40 ans pour avoir cette perle, mais voilà, elle est enfin mienne. Et comme vous pouvez le voir, hein, dans sa boîte, quel magnifique écrin avec de superbes dorures. Voilà, un bootleg taïwanais, certes, mais voilà, un bootleg de superbe qualité que je suis heureux de posséder enfin et d'avoir pu partager également ce moment-là avec vous. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Que dire d'autre? Bah forcément, hein, j'en ferai aussi une revue tôt ou tard, et puis ça me permettra du coup de le comparer avec un autre, et puis la version aussi Soul of Sugar King que je vous présenterai aussi incessamment sous peu. Mais voilà, ça vous donne encore une idée de ce qui vous attend pour les prochaines et futures revues. Comme toujours, hein, n'hésitez pas à commenter, par liker, que dire d'autre. Ouais, je suis un petit peu sous le choc là. C'est voilà, je découvre ce jouet en magnifique état, en superbe état, dans sa belle boîte. Voilà, donc que dire, bah voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié donc cet unboxing. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions d'avance, comme toujours. Merci pour vos petits pouces bleus qui sont toujours précieux et importants pour moi. Que vous dire d'autre? Bah, une bonne semaine. Profitez bien pour ceux qui sont en vacances, pour celles et ceux en tout cas qui ont la chance d'y être. Pour les autres, bah, bon courage pour le taf. Et puis voilà quoi. Plein de bonnes choses pour vous toujours. Hein. Je vous envoie des ondes positives et toujours, et quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis. Bisous, bisous, ciao, tchuss. Et merci encore à mon poteau Sylvain, ça fait super plaisir. Et merci à ta puce. Salut Lysis, des gros bisous à vous. Waouh, bah dis donc mec, ça c'est un échange qu'il est beau. Waouh, c'te classe, Voltron, rien que ça, dis donc. Waouh. Alors là, hein, un échange, comme on aimerait bien en faire plus souvent. Ouais, d'ailleurs, je me demande si je vais pas vous échanger moi aussi. Quoi? Ah, c'est pour rien, hein? Tu dis ça pour rien, parce que non, quand même pas. Bah, si. Et contre quoi que tu dis, tu nous échangerais, hein? Hein? Tu serais pas capable? Ça serait mieux que nous? Mieux? Je sais pas. Mais plus calme? Ah ouais, carrément. Ah ouais? Ouais, vas-y, fais voir. Alors voilà, j'ai fait un casting, et parmi ce casting, j'ai trouvé ces deux robots-là. Je pense qu'ils pourraient vous remplacer à merveille. Nous avons tout d'abord Luck. Juste ici, le robot qui se transforme en machine à sous. Et qui? Et puis, nous avons Zed. Zed? C'est quoi son nom, Zed quoi? Zed. Mais Zed tout court? Oui. Mais il est tout bizarre. On dirait un vieux robot, tu sais, des films de la quatrième dimension. Mais c'est trop la loose. Oui, mais en tout cas, en termes de taille, ça coïncide. Il est petit, il est grand. Et puis, regarde, surtout, écoutez, pas un seul bruit. Oui, à part quand je me transforme en machine à sous. Ouais, mais enfin, si tu peux me faire gagner de la thune, ça peut le faire aussi. Ouais, bon, t'as des revendications, c'est ça? C'est quoi ton truc? Bah, juste, soyez cool, c'est les vacances, alors soyez gentils avec moi, sinon, Luck, Zed, viendront vous remplacer. Ah, ah, c'est trop, ah, c'est trop, non. Oh là là, oh, oh, je crois que t'as été méchant là. Allez, viens mon papy, viens te mettre au lit. Il faut te reposer. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Faites un essai quand même, un peu pour voir ce que ça donnerait là, si vous étiez présentateur. Ok, je suis Luck. Ouais. Pas gagné quand même. Ouais, non.
chaud là quand même. I would have waited an eternity for this. It's over, bro.